Autre actualité à présent, nous parlons de la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, le thème est « Tolérance zéro contre le commerce illégal de la vie sauvage ». À cet effet, un discours a été dit pour la circonstance. Nous vous en proposons un extrait. Mes chers compatriotes, le 5 juin, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu pour les manifestations de cette année s'intitule « Tolérance zéro contre le commerce illégal de la vie sauvage ». Le choix de ce thème engage la communauté internationale à faire preuve de la plus grande fermeté face à la destruction de l'environnement qui doit cesser d'être perçue comme une fatalité, mais plutôt comme l'implacable conséquence de logiques criminelles qu'il s'agit de briser ensemble. Car au-delà de la protection des espèces sauvages en danger, la criminalité environnementale et les moyens armés auxquels elle a recours posent des problèmes de sécurité pour les États. Dans bien des cas, le grand banditisme et le braconnage constituent les faces d'une même bataille. C'est la tragédie que constitue le trafic des espèces sauvages qui est à l'origine de l'appel lancé par le président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de la conférence de Londres sur le commerce illégal de la faune en 2014. Cette invite de Monsieur le Président de la République à la communauté internationale vise à prémunir les populations contre les conséquences d'une disparition des espèces de la vie sauvage.